On n'est pas arrivé que déjà je sens la fatigue. Mais je peux vous dire que vu comme ça, c'est vu derrière un écran, on se rend pas bien compte. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est McFly Best Training, j'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un plaisir de partager avec vous où que vous soyez dans le monde. La nature étant une source d'inspiration pour moi, il était tout à fait évident que j'aille à sa rencontre pour partager avec vous sa beauté. Cette plaine qui domine la ville de Zongo a aiguisé ma curiosité. J'ai donc décidé d'aller jusqu'à son sommet pour mieux vous permettre d'apprécier cette belle région encore préservée. L'ascension n'a pas été une promenade de tout repos car il a fallu arpenter des côtes assez raides, mais lorsque vous avez l'esprit sportif, ce genre de difficulté ne peut être que bénéfique pour votre volonté, votre corps, votre esprit. Je vous laisse donc apprécier avant toute chose. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Avant de vous quitter, j'insiste vraiment sur le partage de cette vidéo car cette région mérite d'être connue pour sa beauté et sa population. Ne soyez pas égoïste, ne gardez pas cela pour vous seul, offrez cette vidéo au plus grand nombre. Je vous dis à bientôt et place aux images! Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est McFly Best Training, j'espère que vous vous portez bien, c'est toujours un plaisir de partager avec vous, où que vous soyez dans le monde. Alors aujourd'hui, ascension de la colline de Zongo. Alors c'est assez haut, d'après ce qu'on m'a dit. Bon, on va voir. Allez, on va arrêter de parler. Maintenant, place aux actes. C'est parti. Bon, les amis, je crois que les soucis vont commencer parce que là, ça commence à devenir raide. C'est là que ça devient intéressant. On n'est pas arrivé que déjà je sens la fatigue. C'est vraiment impressionnant. Perfect. Faut être très prudent parce que si on chute, eh ben c'est pour se retrouver tout en bas.